Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 89 de Stage 1 et nous allons jouer... Oh putain, j'ai pas y arriver. Nous allons jouer aujourd'hui à Dirt Showdown, qui est un jeu de Monster Truck, dans un style, une sorte de jeu de course, mais orienté bourrin. Donc ouais, j'appelle ça du Monster Truck parce qu'on se tape dessus, c'est celui qui arrive en entier à une arrivée. Et premier, et si, enfin il y a plusieurs styles, on va le voir tous ensemble, donc c'est parti. On appuie, vérification du contenu, on s'en fout, ça passe, voilà. Chercher un profil, hop. Activer la sauvegarde, non, oui. J'utilise encore, il faut encore lui dire. Voilà, sauvegarde, auto-créé. Il y a deux styles de profil, les profils en ligne, et puis ensuite on choisit. C'est bizarre, on dirait qu'il y a plusieurs trucs. Saisir texte. Alors, stage 1, YAR. Alors, il y a marqué YAR un peu de partout. Bon, tant pis. YAR. Voilà, non connecté. C'est peut-être parce que je suis pas connecté. Je ne sais pas pourquoi. Il y a marqué YAR de temps en temps, on s'en fout. Alors, showdown tour. On va commencer le mode histoire. Allez, c'est parti. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose? Nevada. Ball. Ça charge, YAR. Voilà. Tout ça pour dire que ça charge. Oh, y a... un peu lent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Ouais. Alors, on a commencé, et là, on atterrit tout de suite. Bon, est-ce que c'est la voiture avec laquelle on a utilisé? On va rouler, je ne sais pas. Elle a l'air plutôt pas mal, avec des têtes de mort sur les jantes. C'est bueno. Alors. Qui est un petit peu long. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut là, on peut tourner autour de la voiture. Vous avez vu, j'ai pas précisé, mais ouais, voilà. On peut tourner autour, voir la voir sur plusieurs angles. Alors là, donc voilà, c'est parti. Ça commence à être très chaud, Nevada. Nous allons savoir qui pourra passer en Dirt Showdown Tour. Déchaînés, mais vous êtes encore plus forts, les gars. On est en train d'écrire l'histoire. Regardez et apprenez. Et c'est parti pour nous. Allez, c'est parti. Ils ont libéré la voiture. Alors, on va tout de suite voir quelque chose qui me gêne déjà. L'échantillon, voilà. Hop, hop. Je peux pas bien. Bon, 60. Voilà. Synchronisation. Oui, parce que les réglages, je les ai pas regardés avant. Donc là, donc ça devrait être bon. Bon, non, on va laisser intermédiaire. Allez, c'est bon. Allez, ça s'applique. Voilà, ça y est. On confirme les modifications. Oui, oui, non, oui. Un peu perdu. Allez, c'est parti. On est parti pour le Dirt Tour, comme il disait. Donc là, c'est une petite piste en 8. Hein. Ça ressemble à une piste en 8. Très simple, très courte. Et en gros, comme je vous ai dit, c'est un jeu de voiture pas tellement comme les autres parce que on va pas privilégier d'un côté la vitesse, mais aussi il faut rester entier. Regardez, hop là, il vient de se faire emporter parce que les pistes se croisent et se recroisent. C'est pour ça que j'appelle ça une piste en 8 parce que regardez, hop là, on tourne, on revient, on va retraverser la route au milieu des gens. Donc on a de la vie, j'ai envie de dire comme ça. On voit donc le pneu en bas à droite qui nous annonce notre vie. On va dire la vie de la voiture. Ce qui est en vert, donc c'est la vie, et en bleu, c'est le boost qu'on peut utiliser. Bon, pas dans les virages. Voilà, regardez, c'est le petit boost violet que je viens d'activer et qui se recharge tout seul quand on roule. Donc, le but c'est et de finir les tours, donc 3 sur 3, on voit en haut, et de rester entier aussi, parce que ça, c'est pas dit. Si on se fait fracasser, voilà, on a gagné. Ça y est, nous avons nos vainqueurs. Ce sont eux qui passeront en showdown tour. On s'est bien éclaté, les amis. On se revoit après la pause.
Donc voilà, on a gagné la première course. Bon, j'ai pas trop compris. j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Voilà. Alors. Donc là, on peut choisir Pro, All-Star, Champion, Légende. On va jouer en Pro. Miami ou San Francisco ? Alors, il me propose Miami ou San Francisco. Bah, pour commencer, on va faire original. On va prendre Miami. Et manche 1, 3 tours, 5000. Non, je veux pas me connecter. Voilà. Alors maintenant, je choisis ma voiture. Bellivo ou Jackson. Alors, on peut choisir la couleur aussi, la série plutôt. Celle-là, le P1, elle m'intéresse bien. Alors, ça charge. C'est parti. Miami Race Off. Alors, est-ce que ça va être le même style de course qu'on vient de faire? Je sais pas, on va voir. Yar. Toujours yar un peu de partout. Un petit peu long chargement. Hop là, donc notre voiture, l'aperçu de la voiture. On peut toujours tourner autour d'ailleurs. Plutôt pratique. AEM. Performance. Elle est jolie quand même comme bagnole. C'est bien, ça, on peut bien faire le tour, on peut bien la regarder sous toutes les coutures. Soit avant, arrière, c'est bon, on peut pas aller en dessous, ça sert à rien. Regardez, les détails ont l'air d'être bien fait à l'intérieur. Allez, donc on est parti. Alors, ça, c'est le terrain sur lequel on va rouler. Miami, oh, il y a un avion qui passe dessus d'ailleurs. Allez, 3, 2, 1, et on est parti. Alors, on est à fond en boost, on est à fond en santé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les voitures. Alors là, c'est du cassage de voiture. Hein. Le début, on est tous ensemble. Allez, oh, il me double facilement d'ailleurs. Ça va pas le faire, ça. Ça va pas le faire très longtemps. On voit, il y a le nombre de spectateurs qui sont autour. Donc, ils aiment bien, ils sont dans le tour. Hop, là, des petits tremplins. Ah, c'est plutôt sympa. Avec des feux d'artifice de temps en temps aussi. Il y a une voiture qui s'est crashée, on a vu. Ouais, qui s'est crashée, qui s'est retournée. Donc, du coup, elle est un peu bloquée. Oula, si je me tape les murs, ça va pas le faire. Alors, allez, hop, un petit tremplin encore. Donc c'est de la cascade, hein, ces courses. C'est pas vraiment des courses de vitesse dans la ville et tout ça. Là, c'est du circuit, puis c'est de la cascade, hein. Surtout pour le spectacle. Alors, notre voiture, je sais pas, on doit changer de voiture à chaque fois parce que ça, on doit la péter à un point extrême. Hop là, la bleue, là, on l'a rattrapée. On va se faire foutre. Ouh là 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 là. Donc, la voiture se retourne pas, apparemment. Ah bah si, ah bah d'accord, hop, elle revient sur ses roues, c'est magnifique. Je remets des petits coups de boue de temps en temps, même si c'est pas encore top, je suis deuxième sur 8. Hop, allez, on passe à côté du tremplin. Donc là, on arrive au deuxième tour, hop là, troisième, le dernier. Donc là pour l'instant, dommage qu'on n'a pas de petite map, on sait pas trop par où ils peuvent arriver, s'ils sont derrière nous ou pas. Donc, j'imagine qu'ils sont pas tellement loin. Hop, on reste au milieu. Non, allez, on va prendre ce tremplin. En plus, ça fait l'effet d'artifice, c'est joli. Hop là, chaque fois qu'on en prend un, il fait l'artifice. Hop. La maniabilité est vachement... est bien faite quand même. Pour ce genre de jeu, c'est vachement bien fait. Je fais que le dire vachement, mais c'est pas grave. Ah là, défait l'artifice, ça y est! Oh waouh! T'as placé la barre bien haut aujourd'hui! Pourquoi est-ce que t'enverrais pas ton. Donc voilà pour les scores, mais on s'en fout un peu. Allez! Ça va recharger, j'imagine. Voilà! Ça m'étonne pas du tout. On recharge avec notre voiture qu'on avait pris, histoire de la revoir si on l'avait pas bien vu. Ouais. On pourrait reprocher les temps de chargement. Ouais, c'est quand même pas un PC pourri. Donc voilà, on a gagné de l'argent. Ouh. Donc ça pourrait être sympa si on veut, je pense, améliorer les voitures. Hop là, déverrouillage pour achat. La Zenden Cup. Je dis n'importe quoi. Cup. Une nouvelle voiture. Elle est plus jolie que. Celle que j'avais pris. Alors, bah on va continuer. Ah, on a débloqué le knockout. Et on va le prendre, non. Allez, non.
On va prendre celle-là. Hop, Robson. Jupiter. Jupiter. Oh, laquelle? Ah, attendez, je vais faire une autre chose avant. C'est que je vais améliorer. Là, j'ai vu qu'on pouvait faire des améliorations pour de l'argent. Donc là, j'ai 5000. On va augmenter Yar, je sais pas ce que c'est. On verra bien. Voilà, on va prendre la Jupiter, comme disait. On va prendre quelle couleur Oh, il y en a plein. Plein de modèles différents. Celle-là me plaisait bien. Alors, Rampage. San Francisco. Alors, notre voiture. Flip. 251, behind you. Oh, elle est plutôt jolie, hein. De toute façon, tous les modèles 3D des voitures qu'il y a dans le jeu, c'est vraiment bien foutu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette course? Oh là là, donc ça, ça a l'air d'être une grosse arène. Ouais, allez, go. Oula, on est tous les uns à côté des autres. Ah ben voilà, on a compris. C'est une sorte de destruction derby. Je sais pas si on dit comme ça. En gros, il faut se défoncer la tronche. Le but là, ça va être de faire un maximum de points en faisant un maximum de dégâts. Hop là, là je viens de gagner plus 750 yards. Ouh, mais je viens de voir un ralenti aussi. Voilà. J'ai appuyé sur la touche comme un idiot, mais on peut l'envoyer sur YouTube aussi, c'est sympa. Hop là, on continue. C'est reparti. Allez. Allez, allez. Donc j'ai gagné 750 points. Donc ils appellent ça des yards parce que c'est le jeu qui est totalement bugué. Ils mettent yards partout. Hop là, 195. Alors le but, hein, de toute façon, c'est le même, c'est de mettre des points. Un maximum de... Oula, je me suis fait défoncer le côté. Donc on voit ma santé qui a baissé d'un sacré cran. Hop là, 150 yards, peine plein. Léger accrochage, 150, 141. Il y en a plein qui sont sur le point de crever là. On va essayer de les finir. Voilà, allez. Elle est crevée. Mais on revient, je crois. Je crois que c'est... Il y a le temps qui doit y être. Ouais, voilà. Vous voyez le temps et en gros, c'est celui qui a fait un maximum de points. Donc, même quand on a la voiture qui défonce, normalement, on devrait recommencer. Hop là. Donc, vous voyez, il y avait la voiture de flic que j'ai défoncée. On vient de la croiser. Ah là là là. Il me reste plus qu'une barre si je me reprends un coup. Hop. Je vais avoir trop mal. Il me reste moins qu'une barre. Hop là, on m'a encore défoncé sur le côté. C'est pas top, ça, Douda. Hop. Allez, 245 yards. Et en même temps que je tape, je me fais aussi des dégâts moi-même. Ah là 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 là. Hop, 100 yards. Oui, j'appelle ça des points, 100 points. Ou j'ai dit ça, des points. 125 points. Alors, est-ce qu'il y a des techniques précises pour mieux taper les autres? Bah, à part bien tourner et bien les défoncer, je vois pas trop. Hop là, 345. Je suis toujours premier là. Au niveau des points, j'ai un peu d'avance. Alors, ils sont où mes collègues? Parce que eux aussi essayent de me foncer dedans, faut pas y croire. Hein. Voilà, milliard, allez! Ah ben, ça y est. On m'a défoncé la mienne. Je suis en tout gris. Et on s'en est reparti. Destruction enchaînée x2. D'accord, donc j'avais encore gagné des points. Allez, on y retourne. Et on défonce de la voiture. Ah, x2, on est en x2 pour l'instant. C'est la fin du temps. Tout ce qu'on fait, ça fait x2. Ah là, non. Ah, je reste coincé. Voilà, à la fin du x2, normalement c'est la fin du temps. La petite musique qui vous stresse à peine. Et c'est bizarre, c'est quand je peux gagner une heure de points que j'arrive pas à toucher la moindre voiture. Hop là, 2000, assaut terminal. 220, et voilà. On a gagné. Et donc voilà, ce sera tout pour Dirt Shadow. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé.
Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.